Quand on a fait les états généraux sur la réforme des institutions démocratiques, 82 % des gens, dans les consultations publiques, aux états généraux, 82 % nous ont dit « oui, il faut établir un mode de scrutin où chaque vote compte. » Donc, une forme de proportionnel. Et pourquoi ça n'a pas passé? Parce qu'il y a une coutume qui veut qu'il faut que tous les partis qui sont à l'Assemblée nationale soient d'accord. Et l'excuse, c'est de dire autrement, il arrive un gouvernement majoritaire, il va se faire une loi électorale pour lui, alors non, il faut que tous les partis soient d'accord. Mais jamais les partis sont d'accord. Il faudrait quasiment un Sénat indépendant, un comité indépendant de citoyens qui ont juste ça à faire, de s'occuper du mode électoral, et leur décision est finale et constitutionnelle. Autrement, on n'aura jamais de changement, parce que l'intérêt personnel prend le dessus sur l'intérêt collectif.